ne rajoute pas. Le texte est juste un résumé de faits plus ou moins vérifiés. Et si contre son gré, il paraît un peu fataliste, vous êtes prié de nous en excuser. Hier, en Haïti, la terre a tremblé. Alors, nous nous devons aujourd'hui de les aider. Et surtout, demain, de ne pas les oublier. Et après-demain, de ne pas les laisser tomber. Une catastrophe naturelle, bien que triste, reste inévitable. Nous sommes impuissants face à notre impuissance. Mais si la nature a décidé de sa vengeance, c'est peut-être pour blâmer notre insouciance. 2008, année de sécheresse en Haïti. 2009, année de tempête en Haïti. 2010, année de tremblement en Haïti. 2011, fait peur, rien que d'y penser. Et nous, de notre côté, on pleure sur notre crise. Et nous, de notre côté, on truque nos élections. Et nous, de notre côté, on se vaccine contre la grippe. Et nous, de notre côté, on regarde le foot à la télé. Et nous, de notre côté, on envoie du fric de notre côté. Et nous, de notre côté, on envoie en Afrique la ferme célébrité. Et nous, de notre côté, putain, il est chic notre côté. C'est dommage, mais c'est vrai. Si en France, selon les dires de ce dernier, quand on a 50 ans et pas de Rolex, on n'a pas réussi notre vie, je pense que là où ça a tremblé, si on a 50 ans, on a réussi notre vie. Le but n'était pas de plomber l'ambiance, c'est juste une piqûre de rappel en urgence, car dessous ça grande et s'embalance, mais on s'en fout, elle est belle la France. Yeah.